ne sait si l'imam a également reçu les visiteurs français. Il est en tout cas évidemment au fait de leur présence, car il est le seul à signer les passeports. On le dit aimable et d'un commerce agréable, même s'il refuse absolument de se faire photographier, et s'il a interdit que l'on ouvre un cinéma à Sanaa, opération que l'absence d'électricité rendait d'ailleurs illusoire. Thank you.
que mâche ce commerçant est ducate. Entouré de son armée, l'imam se rend à la mosquée pour la prière du vendredi. Celui que René Clément saisira en un éclair, Joseph Kessel l'a rencontré. Bien que l'imam Yahya eût dépassé la soixantaine, sa barbe était noire, ses mouvements vifs et impétueux. La fermeté et la bonhomie éclairaient son visage plein. On voit rarement tant de simple franchise et tant de joie de vivre chez les puissants. Ce magnétisme gai expliquait la discipline des tribus peu habituées à l'obéissance et leur amour pour un souverain exigeant. Une des rares images de l'imam Yahya. Ce que fut cette conversation qui dura 2 heures et ne se ralentit pas une minute grâce à l'aisance avec laquelle le cadi, ministre des Affaires étrangères, debout à côté de son maître, parlait le français et l'arabe, il ne m'appartient pas de le dire. La confiance, surtout lorsqu'elle touche à des sujets d'ordre international, commande la discrétion. Mais combien fut naïve et grave après ce thème délicat, la curiosité avec laquelle l'imam, grand lecteur des journaux du Caire, nous interrogea sur les relations de la Terre et de la Lune.
marché, la caméra ne s'attarde pas sur les étals où l'on vend le kat, ces rameaux euphorisants que les hommes mâchent au fur et à mesure de la journée. Mais il est vrai que le Coran, si attentif aux substances prohibées, n'en parle pas non plus. Concentrer la communauté juive de Sanaa. Thank you.
En 1948, 11 ans après que René Clément eut réalisé ce film, l'imam Yahya sera assassiné au cours d'une conjuration ourdie par l'un de ses fils, des chefs de tribus rebelles et une poignée d'éléments avancés qui avaient été en contact avec les idées nouvelles diffusées depuis Aden, le port sous protectorat britannique. Complot écrasé dans le sang par un autre fils, devenu imam à son tour, mais qui sera à l'origine de la révolution de 1962, inspirée par le groupe des Yéménites libres, en liaison avec le régime nassérien. L'imam Yahya avait commis l'imprudence d'introduire les mitraillettes dans son armée et de circuler en cadillac décapotable. Pour un homme qui ne jurait que par les sabres, les mousquetons et les chevaux, ces timides concessions au modernisme se sont avérées fatales. L'Institut yéménite exprime sa vive reconnaissance au docteur Claudie Fayen, grand ami du Yémen, qui nous a permis de découvrir ce film, et remercie M. René Clément d'avoir bien voulu autoriser sa diffusion.